CEMA, dictée numéro 8.1. Voici le texte sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. La crise de rire a éclaté quand quelqu'un a remarqué la marque dans le cou de lui. Il a quelques qualités, mais l'humour n'en fait pas partie. Il a cru qu'on se moquait de lui et il s'est mis en colère. Il a poussé de grands cris. Quant à la maîtresse, elle lui a donné le conseil de se mettre dans un coin pour se calmer. La crise de rire a éclaté. La crise de rire a éclaté. Quand quelqu'un a remarqué, la marque dans le cou de lui. Point. La marque dans le cou de lui. Point. Il a quelques qualités. Mais l'humour n'en fait pas partie. Point. Mais l'humour n'en fait pas partie. Point. Il a cru qu'on se moquait de lui. Et il s'est mis en colère, point. Et il s'est mis en colère, point. Il a poussé de grands cris, point. Il a poussé de grands cris, point. Quant à la maîtresse, virgule, elle lui a donné le conseil. De se mettre dans un coin pour se calmer. Point. De se mettre dans un coin pour se calmer. Point. Écoute attentivement la relecture. La crise de rire a éclaté quand quelqu'un a remarqué la marque dans le cou de lui. Point. Il a quelques qualités, mais l'humour n'en fait pas partie. Point. Il a cru qu'on se moquait de lui et il s'est mis en colère. Point. Il a poussé de grands cris. Point. Quant à la maîtresse, virgule, elle lui a donné le conseil de se mettre dans un coin pour se calmer. Point. À toi de relire attentivement la dictée. C'est-à-dire qu'il va falloir vérifier que tu as bien écrit les mots de la liste numéro 8, que tu as bien fait chaque accord entre les adjectifs et les noms, et entre les verbes et les sujets. Fais attention également aux homophones. Quand tu auras relu, tu pourras remettre en route la vidéo pour avoir la correction détaillée. Voici la correction. Il y avait quelques homophones à remarquer. Donc le A,
La crise avait éclaté, c'est bien le verbe avoir, donc pas d'accent. Tout comme quelqu'un avait remarqué, toujours le verbe avoir, toujours pas d'accent. Il a quelques qualités, c'est donc quelque chose qu'il possède, donc c'est le verbe avoir, toujours pas d'accent. Mais on est bien dans une opposition et non pas dans un déterminant, donc M-A-I-S. Il a cru, il avait cru, c'est toujours le verbe avoir, ici c'est l'auxiliaire avoir. Qu'on se moquait de lui, que quelqu'un se moquait de lui, donc O-N, c'est le pronom. Et il y a une suite, donc c'est E-T. Il a poussé, il avait poussé, encore une fois c'est l'auxiliaire avoir. Quant à, c'était l'un des mots à retenir, c'est bien la préposition donc à accent. Elle lui a donné le conseil, elle lui avait donné le conseil, à sans accent. Il fallait faire ensuite attention au verbe terminé par le son et. La crise a pris, donc c'est bien un participe passé et accent. Quelqu'un a remarqué, on ne peut pas dire quelqu'un apprend, donc c'est encore une fois un participe passé, donc accent. Il a poussé, il a dit, accent, puisque c'est un participe passé. Elle a donné, là encore, on est dans un verbe conjugué au passé composé, donc c'est bien un participe passé. Par contre, pour se calmer, pour faire quelque chose, donc ici, on a un infinitif. Au niveau des accords, il fallait surtout faire attention aux quelques qualités. Il y en a plusieurs. Qui est-ce qui en fait partie? C'est l'humour. Donc, c'est un T, troisième personne du singulier. Qui est-ce qui se moquait? Le pronom on est la troisième personne du singulier, donc T. Il poussait deux grands cris, c'est qu'il en poussait plusieurs. Donc, on n'oublie pas le S. Voilà, la dictée est terminée.